bienvenue sur AgriBuzz. Aujourd'hui, dans notre série consacrée au durian, nous allons traiter du paillis, cette sorte de petit tapis qui entoure le tronc afin de réguler la température et de protéger les racines. Idéalement, ce paillis, cette matière organique dont on fait un tapis autour du tronc, va protéger les racines des trop grandes chaleurs et du soleil, mais aussi gardera le frais en cas de trop grande chaleur. C'est donc un régulateur de température idéal. Nous disposons un petit muret de terre pour encercler, entourer ce paillis afin d'y garder la fraîcheur lors de l'arrosage et afin d'y garder l'humidité. Il ne faut pas bien sûr que ce paillis s'en aille lorsque nous arroserons le sol. Nous allons ensuite ajouter un peu d'acide humique à notre eau lorsque nous arroserons. Une pleine cuillère. L'acide humique, ce composant principal de l'humus. Il va permettre de rendre le sol alcalin, le contraire d'acide, et augmenter le pH à un niveau de 7,5. D'origine organique, il aide les sels minéraux, il aide la pousse et garde les nitrogènes. En plus de cet acide humique, nous allons ajouter aussi une cuillère de PSB, les bactéries de photosynthèse. La photosynthèse étant cet ensemble de réactions qui permet aux plantes vertes de transférer les éléments minéraux en matière organique grâce au soleil, grâce à l'énergie lumineuse. L'énergie va être stockée puis transférée pour la transformation des glucides à partir des racines. Excellent donc pour la santé, la robustesse et la beauté de notre plante. Le paillis est indispensable pour la culture du durian.